Bonjour les enfants, bonjour les parents, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Alors les enfants, est-ce que vous avez bien révisé vos leçons? On va attendre un peu que vos camarades seront là, puis on va commencer. Juste une minute, puis on va commencer. Alors, est-ce que vous avez bien révisé vos leçons? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Donc, on va commencer tout d'abord par vous rappeler ce que nous avons vu pendant les séances précédentes. Nous avons fait quatre séances dans laquelle nous avons fait, pour la première séance, nous avons vu la phrase minimale et la phrase enrichie. Vous vous rappelez bien de ça? Donc, dans la deuxième séance, nous avons vu l'accord de l'adjectif qualificatif avec s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Puis dans la troisième séance, nous avons vu comment employer le sujet verbe, comment accorder le sujet avec le verbe. Donc nous avons dit aussi que lorsque le sujet est au pluriel, le verbe doit être au pluriel. Lorsque le sujet au singulier, le verbe doit être au singulier. Donc, et dans la séance numéro 4, nous avons évalué tout ça dans une production écrite. Nous avons fait un portrait d'un petit Nous avons fait un portrait d'une personne. Et je vous ai demandé de préparer chez vous d'autres portraits. Est-ce que vous avez fait le portrait de vos mamans et de vos papas? Allez, j'attends vos réponses. Essayez de répondre par oui ou non. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous avez fait préparer des portraits? Est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que vous voyez bien le tableau avant de commencer? Oui, c'est bien. Oui. Salut, c'est bien. Imen, salut, Mohamed. Oui, bonjour tout le monde. C'est bien, bonjour. Allez, aujourd'hui, on va entamer la conjugaison. Donc, les cinquièmes années aussi peuvent assister. Donc, c'est une séance de conjugaison. On va aujourd'hui voir les verbes en IR qui se termine par IR comme finir, comme grandir, comme salir, comme jaunir, comme vous voulez. Donc, on va
mardi. Donc, je répète. Aujourd'hui, Alain est content. Il a une bonne note. Dans la classe, il finit rapidement ses devoirs, puis il va à côté de son ami. Il l'aide à faire son exercice. Donc, vous allez souligner, vous allez trouver tous les verbes qui se trouvent dans ce paragraphe. Je vous donne 2 minutes. Il a une bonne note dans la classe. Il finit rapidement ses devoirs, puis il va à côté de son ami. Il l'aide à faire son exercice. Est-ce que vous avez terminé? Est-ce que vous avez trouvé les verbes? Est-ce que vous avez trouvé les verbes dans ce paragraphe? Content? Non, content n'est pas un verbe, lui est content. Donc, content, ce n'est pas un verbe, c'est un adjectif. Attention, Rad, ce n'est pas un verbe. Content, non, ce n'est pas juste. Donc, les autres, allez, j'attends vos réponses. Va, et? Non, est-ce que, attention. Bon, le verbe être, oui. Le verbe. Bien finir, aller, aide, c'est bien. Donc, c'est le verbe être. Donc, et. C'est le verbe être. Donc. Dans la classe, il finit rapidement ses devoirs. Puis il va à côté de son ami. Où est le verbe dans cette phrase? Fini, c'est le verbe. Si c'est un verbe. Est-ce que vous êtes d'accord?
4. C'est le verbe aller. Est-ce que vous écoutez bien ma voix? Et vous voyez bien le tableau? Oui. Donc, aide. C'est le verbe et oui, Zainab aussi. Oui. Très bien. Donc, la connexion, ce n'est pas de ma faute, mais je fais de mon mieux. Dommage. Donc, le verbe être, le verbe avoir, le verbe finir, le verbe aller, le verbe aider et le verbe faire. Donc, pour le verbe... Pour le verbe être et le verbe avoir, donc le verbe être et le verbe avoir, vous avez vu ça au début de l'année. Le verbe être et le verbe avoir, vous avez vu ça au début de l'année. Donc, on va essayer de faire un petit rappel pour les verbes être, le verbe avoir, le verbe aller et le verbe aider. Verbe avoir, pour le verbe aller, le verbe aider et le verbe faire. Puis, on va commencer notre leçon avec le verbe finir. Donc, on va commencer par un petit rappel. Donc, il paraît qu'il y a toujours un problème de connexion. Je ne sais pas si vous voyez ou non. Elles au pluriel, elles sont en quatrième année. Donc, c'est très facile. Vous avez vu ça au début de l'année. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien.
Donc, essayez de prendre tout ça sur vos cahiers. Donc, vous avez vu tout ça au début de l'année. C'est juste un petit rappel avant de commencer notre leçon. Pour le verbe avoir aussi, vous avez vu ça. Donc, j'ai 9 ans. Précédent, donc le verbe aller, on va dire je vais. Aussi, c'est très facile. Donc, pour s'améliorer en conjugaison, il faut savoir conjuguer le verbe être, le verbe avoir et le verbe aller. Il faut savoir bien conjuguer le verbe être, le verbe avoir et le verbe aller. Le reste, ça va venir. Est-ce que c'est clair? Donc, on passe. Allez. Nous faisons des courses, vous faites des courses, conjugué. Donc,
Donc, je vois bien que la connexion est très mauvaise aujourd'hui. C'est un problème très grave, la connexion. Elle est très faible. Dommage. Alors, on continue. Désolé pour la connexion. Donc, le verbe faire, alors je fais, tu fais, il ou bien elle fait, nous faisons, vous faites, il ou bien elle, elles font. Allez, on passe maintenant au verbe du premier groupe. C'est le verbe aider. Donc, le verbe aider. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Alors, aide-moi pour la connexion. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Donc, tous les verbes qui se terminent par ER, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Donc, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Donc, tu peux me donner des exemples? Donne-moi des exemples des verbes du premier groupe. Allez. Donnez-moi des exemples des verbes du premier groupe. Donc, comme le verbe. Donc, des verbes du premier groupe. Comme chanter, comme danser, comme aider, comme couper. Donc, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Donc, comme vous voyez, le verbe aider, tous les verbes du premier groupe se composent de deux parties. Tous les verbes se composent du premier groupe se composent de deux parties. Donc, une première partie. Regardez ici aussi. Une première partie. Et une deuxième partie. D'accord? Donc, la première partie, c'est le radical. Il ne change jamais. Donc, la première partie, c'est le radical. C'est le radical. Donc, la première partie, c'est le radical. Et la deuxième partie, c'est la terminaison. Plus terminaison. Donc, le radical plus la terminaison. Donc, regardez, aider, la première partie, c'est le radical. Aussi. Donc, la première partie, c'est le radical et la deuxième partie, c'est la terminaison. Donc, lorsque je conjugue un verbe du premier groupe
au présent, je garde. Je garde le radical. Donc, je garde le radical. J'enlève. J'enlève la terminaison. J'enlève la terminaison. Et puis, qu'est-ce que je fais? Et puis, j'ajoute les terminaisons. Donc, avec E, avec je, j'ajoute un E. Avec tu, j'ajoute un ES. Avec il ou bien elle, j'ajoute E. Avec nous, j'ajoute ONS. Avec vous, j'ajoute EZ. Avec il et elle au pluriel, j'ajoute ENT. Donc, je laisse le radical. Je laisse le radical. Et j'ajoute les terminaisons. J'enlève seulement la terminaison. La même chose ici. J'enlève le ER. J'enlève le ER aussi. J'enlève le ER. J'enlève le ER. Et j'ajoute les terminaisons. Les terminaisons. Donc avec je, j'ajoute un E. Avec tu, j'ajoute un ES. Avec il ou bien elle, j'ajoute un E. Avec nous, j'ajoute ONS. Avec vous, j'ajoute EZ et avec il ou bien elle, j'ajoute ENT. Est-ce que c'est clair? Donc, je prends le radical et j'ajoute les terminaisons. Voici le radical et voici la terminaison. J'enlève la terminaison et je garde le radical. Le ENT. Donc, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon, de la même manière. Je cherche toujours le radical, j'enlève le ER et j'ajoute les terminaisons. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'obtiens comme ça. Je vais prendre un peu de scotch. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. Voilà. Donc, le radical. Vous voyez le radical. Voici le E du jeu. Le radical aussi. Voici le ES de tu. Le radical, voici le E de il et de elle. Donc, ici aussi, le radical, voici le ONS du nous. La même chose ici, voici le EZ et la même chose aussi, voici le ENT du pluriel. Donc, avant de conjuguer un verbe du premier groupe, je dois toujours chercher le radical. Du verbe. Voici le radical. Donc, je enlève le ER. Donc, je supprime le ER et je garde le reste. Le reste, j'ajoute le E, le ES, le E. Est-ce que vous avez compris? Vos réponses, est-ce que vous avez compris? Alors, est-ce que vous avez bien compris? Donc, essayez de répondre, les enfants. Oui, danser aussi, c'est un verbe, bien sûr. Danser, c'est un verbe du premier groupe. Donc, il faut comprendre la... J'enlève la terminaison et j'ajoute la terminaison du présent pour tous les autres, pour les pronoms. Donc, je dois faire ça en fermant les yeux. Avec je, c'est E. Avec tu, c'est ES. Avec il ou elle, c'est E. Avec nous, c'est le ONS. Avec le vous, c'est le EZ. Et avec il ou bien elle, ou bien les enfants, ou bien
les animaux, ce que vous voulez, donc le sujet il ou bien, je ne vais pas toujours écrire il ou bien, donc les enfants, les filles, ce que vous voulez, donc toujours au pluriel. Donc, regardez bien ça. Donc, n'importe quel verbe du premier groupe, il se conjugue de cette façon. Je divise mon verbe en deux, j'enlève les terminaisons, le er, et je garde le reste. Je garde le reste. Je garde le reste. Comme ça. Donc, j'obtiens et, aide, 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 aidant. Aider et aide à la fin de l'été. La même chose ici. Donc j'enlève le ER. Chanter et chante à la fin ENT. Est-ce que c'est clair? Allez, si vous avez terminé, on peut passer. Allez. Oui, c'est bien. Donc, je crois qu'il se passe quelque chose de mal. Je sais pas si la connexion, si vous me voyez ou non. Allez, on va continuer quand même. Allez, on passe maintenant au verbe du deuxième groupe. Est-ce que vous avez compris tout ça? Donc, j'ai voulu commencer par les verbes premier groupe parce qu'on va faire la même chose. Parce qu'on va faire la même chose après avec les verbes du deuxième groupe. Donc, on va faire la même chose. Allez, on va. Voilà. Je viens de dire tout à l'heure dans le paragraphe que Ahmed finit ses devoirs. Donc Ahmed, c'est le sujet, fini, c'est le verbe. Je viens de dire que c'est le verbe finir. C'est le verbe finir. Donc, vous voyez bien que le verbe finir, il se termine aussi par ir. Donc, c'est l'autre objet de la séance aujourd'hui, les verbes comme finir qui se terminent par ir. Donc,
et sème. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Allez. Leur devoir. Allez. Qu'est-ce que je vais dire? Ahmed, au lieu de dire Ahmed, on va dire Ahmed et Sami. Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, vos réponses. Allez, vos réponses. Allez, où sont vos réponses, les enfants? Allez. Donc, oui, le verbe finir se termine par IR. Donc, j'attends. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est très bien, oui. Rahouma, c'est bien. Sandus, très bien. Donc, finis. C'est bien. Finis. Donc, finis. C'est très bien. Allez, on va remplacer maintenant. Oui, Amine, c'est bien, oui. Khadr, très bien, finisse. Oui, qu'est-ce qu'on va dire? Fini. Très bien. Oui. Je finis. Donc, je finis à la fin S. Donc, Ahmed finit à la fin T. Ahmed ou bien, il finit. Ahmed et Sani. Ahmed. Je finis. Donc, il finit, oui. Donc, on va faire la même chose. On va faire la même chose. Donc, regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Fi, c'est quoi? C'est le radical. C'est la terminaison. Oui, très bien. Oui, c'est bien. Oui, fini, c'est très bien, mais on a passé. On a passé, on continue, allez.
Très bien. Oui. Donc, phi, c'est le radical, et er, c'est la terminaison. Donc, on va faire la même chose. Donc, j'enlève le er. Donc, j'enlève le er. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, fin. Avec je vais ajouter is. Avec tu, je vais ajouter is. Avec il ou bien elle, je vais ajouter it. Avec nous, nous allons ajouter ils. Avec il ou bien elle au pluriel, vous allez ajouter is. Ce sont les terminaisons. Ce sont les terminaisons. Les terminaisons du verbe au présent. Ce sont les terminaisons du verbe au présent. Donc, je répète que avec je vais ajouter is. Oui. Avec tu, je vais ajouter is. Avec il ou bien elle, je vais ajouter it. Avec nous, je vais ajouter ils sont. Avec vous, je vais ajouter ic. Et avec il ou bien elle, je vais ajouter is à la fin, ent. Donc, c'est la même chose presque comme les verbes du premier groupe. Donc, c'est le radical. La première partie, c'est le radical. Je le garde. J'enlève le ir et j'ajoute les autres terminaisons. Est-ce que c'est clair? Donc, la même chose, regardez. Regardez bien ici. Donc, la même chose. Tous les verbes, je dis bien que tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même manière. Donc, j'enlève toujours le IR et je garde la première partie. Je garde la première partie, le radical, et j'enlève la terminaison. Puis, j'ajoute les terminaisons. J'ajoute les terminaisons pour le présent. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est la même chose. Donc, on fait la même chose que... Et j'ajoute les terminaisons avec tous les pronoms. Donc, avec je, c'est un is. Avec tu, c'est le is aussi. Avec il ou bien elle, c'est le it. Donc, avec nous, c'est le i sans, attention, i sans. Avec le vous, c'est le ic. Avec il ou bien. Tous les verbes du deuxième groupe qui se terminent par ir se conjuguent de la même façon. Vous voyez la partie en noir, je la garde et j'en. Donc, presque, en général, tous les verbes qui se terminent par IR, j'ai dit en général, mais bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des verbes qui se terminent par IR. Tenir, comme le verbe tenir. Est-ce que ces verbes-là, ce sont des verbes du deuxième groupe? Non. Malgré qu'ils se terminent par IR,
au présent, lorsque je trouve ici, donc, ou bien nous tenissons. Est-ce que je peux dire ça? Tenissons. Non, c'est faux. Je dis te. Non. Puisqu'il n'y a pas. Donc, vous allez voir ces verbes-là en cinquième année et en sixième année. Donc, on retourne au verbe du deuxième groupe. Donc, j'ai dit, tous les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, ils se conjuguent de la même manière et de la même façon. Donc, je rappelle, je laisse la partie en noir, j'enlève la partie en rouge, puis j'ajoute les terminaisons. Donc, qu'est-ce que j'obtiens alors? J'obtiens la forme finale. J'obtiens la forme finale. Donc, j'obtiens la forme finale. Donc, même chose pour les autres verbes. Même chose, on va tout à l'heure conjuguer ces verbes. Essayez de prendre ça, allez. Est-ce que vous avez terminé? On peut continuer? Allez, on va faire quelques exercices ensemble. On va faire quelques exercices ensemble. Quelques exercices ensemble, allez, pour voir si vous avez bien compris cette leçon ou non. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Allez, donc, Salim, un joli, le verbe choisir. Les petits lapins, vite, grandissent. Et une troisième phrase, vos devoirs, le verbe finir. Allez, vous allez mettre ces verbes dans les phrases. Allez.
Allez, est-ce que vous avez terminé? Bon, vous allez mettre le verbe choisir dans la première phrase. Grandissent. Pardon, grandir. J'ai donné la réponse sans le savoir. Grandir, pardon. Donc, dans cette phrase et finir dans cette phrase. Allez. Donc, on va conjuguer le verbe choisir avec Selim, le verbe grandir avec les petits lapins et le verbe finir avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on va obtenir? IR, choix. Et j'ajoute avec il. Qu'est-ce que j'ajoute? Avec il, j'ajoute le IT. Donc, Selim choisit un joli pantalon. Le verbe grandir. Allez, j'enlève le IR. Grand. Et avec il au pluriel, qu'est-ce que j'ajoute avec il au pluriel? J'ajoute is à la fin, E-N-T. Donc, les lapins, les petits lapins grandissent. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous, j'enlève le IR. Et avec vous, qu'est-ce que j'ajoute? Vous finissez vos devoirs. Donc, comme vous voyez, c'est très facile. Donc, Selim choisit un joli pantalon. Les petits lapins grandissent vite. Vous finissez vos devoirs. Allez, corrigez. Puis, on va faire un autre exercice pour bien consolider la notion du verbe du deuxième groupe. Oui, très bien. Très bien, oui, bravo. Asma, c'est bien. Oui. Oui, Ibtissem, c'est bien. Très bien. Allez, on va faire un autre exercice. Donc, je vais effacer. Allez. Regardez bien, on va faire un autre exercice. Il, ou bien elle, nous, donc tu, vous, je, et il, ou bien elle, au pluriel. Donc, des filles, des filles. Missé. Donc, défini. Défini. Alors, défini. Défini. Pardon. Défini. Donc, défini. Donc, défini à la fin T, défini à la fin définisse. Donc, défini à la fin IS et définissant à la fin ONS. Allez, on va relier par une flèche. On va relier par une flèche ce qui va ensemble. On va relier par une flèche ce qui va ensemble. On va relier par une flèche ce qui va ensemble.
Allez, on va corriger ensemble. Donc, avec il ou bien elle, le verbe se termine toujours par un it. Donc, il ou bien elle définit. Donc, avec nous. Donc, le verbe, je vois le radical et la terminaison du pluriel avec nous. Donc, nous définissons. Avec tu. On voit toujours que le verbe se termine toujours par is. Ou bien celle-là, c'est la même chose. Vous définissez, je définis, ou bien celle-là, et il, ou bien à la fin, s. Donc, définissent à la fin, er, c'est la terminaison du pluriel. Donc, la terminaison du pluriel, toujours avec il ou bien elle au pluriel. Donc, c'est automatique. Donc, avec je, c'est is. Avec tu, c'est is. Avec il ou bien elle, c'est it. Avec nous, c'est le issant. Avec vous, c'est le ic. Et avec il ou bien elle au pluriel, c'est le is à la fin, ent. Est-ce que c'est clair? Allez, corrigez. Oui, c'est bien, Youssef. C'est bien, Hajar aussi, c'est bien. Oui. Oui, je vais essayer de d'enregistrer ça. Je vais essayer de faire une nouvelle vidéo. Oui. Oui. Je ferai de mon mieux. Oui, c'est la connexion. Ce n'est pas de ma faute. Dommage. Allez, on va faire un nouveau exercice, un dernier exercice. Allez, un dernier exercice. C'est le dernier, allez. C'est le dernier. Allez, on va faire un dernier exercice. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un dernier exercice? Allez. Le lapin. Le lapin hors du terrier. Le verbe bondir. Allez. Vous va lire. Je mes habits. Le verbe ça lire. Allez, je vous donne 2 minutes, puis on va corriger. Merci.
Oui, très bien. Esma, vous êtes encore dans l'exercice numéro 2? Oui, c'est bien. Saoussen, c'est bien. Heger aussi, très bien. Oui, c'est bien, les autres. Donc, le lapin. Donc, je dis le lapin. Le lapin, c'est il au singulier. Donc, avec il au singulier, le verbe se termine toujours par it. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, le lapin, bon, dit. Donc, le it de il. Le verbe pâlir, c'est un verbe aussi du deuxième groupe. Donc, j'enlève le IR. J'écris pas. Et j'ajoute la terminaison avec vous. Pâlir. C'est. Très bien. Oui, bondi. Alors, la dernière, le verbe salir. Donc, je prends le radical et j'ajoute le donc, comme vous voyez, avec il ou bien elle, c'est le IT. Avec vous, c'est le nous, c'est le ISON. Avec vous, c'est le IC. Avec il ou bien elle au pluriel, c'est le IS à la fin, ENT. Donc, la même chose pour bondir, la même chose pour pâlir, la même chose pour salir. Donc, jaunir, jaunir, choisir, applaudir, réussir. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même compris. Comment on conjugue les verbes du deuxième groupe au présent? Alors, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. Espérons que nous rencontrons la prochaine fois. Allez, au revoir. Et merci beaucoup pour votre attention.